depuis l'unité de lutte contre la corruption, ULCC fin publié 11 rapports liés. Gagné un ensemble de réactions. Gagné un ensemble parlé en pile. Grégory Lubin, Jimmy Clitéagène, Guerrier du seul. Yon a débat moi ouais qui prend forme après rapport ULCCO Jimmy Cli, c'est moun qui indexé dans différents rapports ULCCO qui ont même voulu intervenu dans la radio en réaction souvle à publication ensemble rapport ça yo. Gen moun ki di piga nou bay moun sa ou parler dans radio parce que selon ULCC c'est des moun qui gen non yo cité dans mauvaise affaire. Selon ULCC c'est des moun doit yo long, c'est des moun qui plonger jouk nan zo la corruption. Gen moun ki di oui fon ba ou parler, non fon pa ba ou parler. Moi même comme citoyen Grégory Lubin Jimmy Clitéagène, moi appuyer l'idée pour pa ta bay moun sa yo parler la radio, tout au moins pour ne pas ta l'ouvrir micro nou bay moun sa yo ça dé bien. Oui, et me voulait la République prendre note et comprendre ça m'a dit matin. Comme citoyen, sous mon position personnellement, m'a dit ou jusqu'à ce que gagne une décision de justice qui sorti, m'a décidé est-ce que m'a ba moun sa ou parler ou pas. Si décision en sorti en faveur, pas gain problème. Ma reprend un rôle, on met vini, etc. Il y a une place. Mais si décision sorti contre tout, n'a juste mettre non coin. Ça c'est position personnelle. Mais maintenant on parler pour média. On parler pour la presse. Matin là, on pas gain prétention que on va le fond cours de journalisme pour personne. Cependant, la métier ça gen san rele ligne éditoriale média. C'est-à-dire qui côté média campé par rapport à tel ou tel dossier, par rapport à tel fait d'actualité, par rapport à tel pouvoir, etc. Ça qu'arrivé jamais dit à sa traité ou information, c'est pas comme ça Caraïbe traite lui-même. Parce que il dépend de comment Caraïbe lui-même les web bagaille, comment Caraïbe comprend bagaille. Mais ça intéressant, c'est pas parce que média yo traité dossier ou différemment qui problème. C'est si gion nan yo nan jan traité là qui décider bay menti. Mais quel que soit Jean média traité dossier depuis le rété avec objectivité amendé, depuis le rété sous ligne vérité, depuis le rété sous base principe métier, on pas quoi commettre aucune faute. Donc on média qui a décidé prend décision, il dit on moun qui indexé dans rapport ULCC ou li pa ba ou parler, il gen droit ça, il assume. C'est peut-être sa ligne éditoriale li traduit. Par contre, vous comprenez. Tout comme on média qui doit décider le dire, comme pour une décision de justice qui sorti contre moun sa yo, donc yo c'est des présumés coupables, tout au moins yo joui donc de sa capable les droits à la présomption d'innocence. Donc si jamais des possibilités
pour bailler parler et pas gâter occasion. Nous pas faire média spécialisé, peut-être nous devons dire nous sommes média qui dit tête li dans ligne bataille contre corruption et nous pas traiter l'autre sujet que question corruption. Nous devons décider nous dire il y a pas de problème sur bazar les bon ou gen non cité dans corruption ou pas gen droit parler sur antenne nous. Mais nous autres au niveau du Caraïbe n'a fait un média souvle kaba information généralisée. Nous parler toute cause ici, pas guerrier. Donc comme journaliste, nous gagnons obligation d'équilibre. Obligation d'équilibre dans le sens que si n'a pas ton dossier là malaise pour me citer non monde. Eh bien si mon estime gon précision pour le porter, on pas retirer droit ça guerrier. Son droit le gagner. Ça n'est le droit de réponse là. Baron Souveren. Si une cité non nèga dans espace là, nèga estimé jeune cité non là bon petit problème et que le veut pour ton précision sans problème. N'a pas l'ouvrir micro, n'a permettre que moun sa quel que soit chapelle politique à laquelle il appartenu, quel que soit camp, quel que soit rang social li, pour lui porter précision. On pas quoi à ce niveau nous autres nous gagne problème avec ça. Ça problème dans guerrier du seul. C'est là peut-être média bay champ libre à moun sa yo pour venir défendre tête yo. Et pendant à défendre tête yo pour y a cracher sous travail ULCCA, sous travail institution. Et là on moun qui t'a prend direction ça, moi-même personnellement m'a dit font camper attention hein. Au capoton précision. Et même après précision, on apprend tant nous pour nous rappeler que radio a pas tribunal, c'est à la justice qu'il revient pour déterminer le niveau de responsabilité ou tout au moins si vous avez raison ou bien si vous avez tort. Et gros bagaille tout. Rapport ULCC, on toujours dit aussi des prétextes. Gros bagaille qui nous a dit en dans rapport ULCC. Les bonnes possibilités comme journaliste pour nous mener investigation par nous, pour nous faire propre recherche nous. Et l'on a interviewé moun sa ou qui indexé non ensemble de rapports ou bien de des rapports de l'ULCC. Nous capable gagner des éléments en plus pour nous poser aux questions et qui sait gendeba nous gendeba même connait nous tout vinn connait. Gendeba nous vinn connait là peut-être c'est pendant des moun qui indexé dans rapport à après la parole. Ouais. Kap dit non, c'est pas comme ça ULCC, mais ça bagalaté etc. Et puis nous gagnons des éléments supplémentaires. Donc il était intéressant. Donc pour nous autres comme médias, comme journalistes, j'aime ce dit tout à qui go obligation d'équilibre. On pas ka vinn la matin et puis me calonne sur le monde et puis elle décide de dire la vle pour ton précision pour me dire non, me retire droit ça. Homme dit m'a fait parole libre, homme dit m'a fait journaliste et comme journaliste j'aime dire tout à l'heure, j'ai ça tout pour me garantir auditeur, pour me garantir mon capteur de nan qui c'est droit de réponse dans si jamais il senti gon bagay qui dit sur antenne radio qui concerne lui. Par contre je comprends. Mais c'est là par exemple on est venu, nous cité dans rapport, on dit bon ça son vieux rapport et rapport ça pas chita sous moyen, son rapport bidon etc. Donc moi-même, moi innocent, pas rien, blanc dans la neige. Et puis journaliste a juste croisé bras, li quitté mon nan a parlé comme ça. Ça me rend les champs libres, c'est ça moi-même qui bon problème. Mais si son précision ouvre les potes, n'a pas possibilité pour tes précisions et à partir de précision, nous même nous avons aux questions tout. Nous avons aux questions. Très clair. Et gagner mon Léo tout prend décision pour parler à nous même nous tout profiter occasion pour nous battre votre. Gagne pas qui sorti. Moi le bon exemple. Récemment, guerrier, nous te recevoir ancien sénateur Satan Willow Joseph. OK? Que dans rapport ULCC concernant engin lourd CNEO qui te admet que parmi un ensemble de députés, un ensemble de sénateurs, bon quantité qui gagne matériel l'état dans eux. Sous une forme ou sous une autre. Pour moi-même, monsieur, c'est un homme qui confirme rapport ULCCA sur question ça. Ouais. Et
oui l'autre tout baïsien et tout de l'autre fenêtre pour dire que ensemble de l'autre député ou de l'autre sénateur qui gagne plusieurs matériels l'état n'a même. On pense si ULCC voulait avancer on est de Louis Joseph Caïde ou quand on a tout problème à avec lui ou quand toujours dit c'est la justice pour la dit ça mais attention il tout dit la République c'est vrai ça c'est un édia si bien que un ensemble de députés un ensemble de sénateurs jodi a qui chargé matériel l'état n'a même. Et à partir de l'intervention ça au guerrier du seul on va le bon une information vente bœuf ça lui vend col de vente bœuf info à toute équipe là. Est-ce côté qu'on est gain de anciens députés gain de anciens sénateurs qui gain des firmes de construction qui ont fait avec matériel l'état majorité matériel engin lou y a servi avec eux c'est matériel l'état. On va comme ça les préoccuper. C'est pas blague nous guerriers. Gagnent des anciens députés, des anciens sénateurs qui ont des firmes privées qui ont servi à matériel l'état dans plusieurs départements de pays. Comme rapport ULCC sur question matériel l'état qui n'amène exayo son rapport partiel parce que nous t'ai expliqué que le concernait trois structures différentes, il concernait principale institution qui était impliquée dans le travail programme caravane changement Jovenel Moïse là tant que le ministère des travaux publics tant que Samuel le centre national de gestion des résidus solides tant que le centre national des équipements donc pas grand rien que dans deux derniers rapports qui pral sorti sous question engin lou qui n'a mené yo ou pas joindre tout des nèg Jodia qui a dirigé une série de firmes de construction ou bien qui c'est PDG en série de firmes de construction qui gagne matériel l'état n'a même pas on se comprend fat. Donc à partir de intervention exayo sur radio nous tout comprendre quelque bagaille à part où il dit ou comme ça depuis sous privé patnem rara la rater la dans CN2 toutes sénateur tout député c'est Eva ou fait sous CN2 nèg qui prend pelle nèg qui prend qui prend bulldozer, qui prend excavatrice, pas comme ça, Léo. Oui, yo allez dans la commune respective, yo avec. Donc, il faut que vous parlez pour nous. Qui modèle parlementaire nous a gagné dans la dernière législature? Il faut que vous parlez pour nous comprendre que les gens qui ont dit que vous n'avez pas réglé en bas, nous avons dit que vous n'avez pas réglé. Peut-être même avant, nous ne pas connaître. Ça n'est pas réglé. Tout au moins, ce pays n'a pas de bénéfice. Il n'y a pas de réglé. Mais il n'y a pas de réglé quand même. Elle est là, elle dit que tout n'est pas dans la direction. Et MTPT, ça, elle dit ok, moi, je prends ça. L'autre n'est pas dans la CNE, moi, je prends ça. Et puis, il prend, il n'y a pas de la qualité de son machine, il n'y a pas de maison d'acheter. Il y a des gens qui font des constructions en un pays. Que c'est caille pour y arrêter, caille pour y mettre dans l'OEI, ou bien que c'est. Building yo fait pour faire business yo à plus de 80% c'est matériel l'état qui fait oui matériel l'état guerrier tout seul ou est bascule l'état ou comprendre ou est tracteur l'état c'est lui même qui a fait travail yo pendant ce temps travail l'état ou pas fait non et puis travail privé nèg la bien marché donc faut que ça au te rivé faut que nèg yo te parler faut que yo ne t'a accusé l'autre même pour ne te wè qui ça t'a réglé bon la mer pendant dernière législature ça. On pas pral mettre tout le monde dans même panier guerrier. On pas pral dire tout sénateur, tout député c'est ça ou t'a réglé. Mais sous bien garder tendance là en majeure partie. Tout nèg ça fait pas ou t'a réglé. Parce que jodi a la tango gen bel hôtel. Là ou gen film construction. Là ou gen plusieurs cailles, y a ploué, y a immobilier, en pile là aussi avec matériel l'état offert. Et bien intervention ou ensemble de nèg qui dit c'est dans rapport, fait comprendre réalité ça puis bien. Guerrier du seul. Donc nous pensons que c'est nécessaire pour nous battre votre pour nous faire parler. Guerrier. Nous avons écarté la possibilité de faire des rapports qui ont cherché certains confrères ou comprendre qui ont cherché certains journalistes. On en déplaise à monsieur dame qui est honnête dans la corporation. Ou l'argent soit pour ne pas parler de rapport ou bien tout. Pour y tirer à boulet rouge sous DGULCCA pour décrédibiliser ou bien discréditer souvle travail enquêteur ULCCA juste pour y même qu'apparaître belle dans l'opinion. Bah, il y a quatre possibilités.
Mais nous pensons que ce n'est pas un péché. On radio qui décide de permettre que on est indexé dans le rapport à l'hypothèse des précisions. Même j'ai tout le pas empêché si on média décide tout le pas de parler. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est des présumés corrupteurs, mais aussi des présumés innocents. Dans la même logique que média pas tribunal là, nous pas qu'à décider pour négio vindi ou innocent et puis pour nous ba ou chan li bunda ko avec yo innocent vrai même j'ai tout nous même nous va décider comme média pour dire coupable de non par contre souvent donc faut garder le juste milieu par contre souvent donc n'a toujours qu'à peut-être permettre que des moun qui indiquent dans rapport yo vini pour porter des précisions si c'est nécessaire mais nous même n'a toujours comme journaliste poser question à partir de données que nous gagne même gal pour exemple. Un ancien député là qui dit au mal écrit non etc il va gagner pour l'ouest à la CNE d'ailleurs presque fait seulement il dit pas jamais cité non aucun bagage qui mal dans le pays il dit attention depuis est-ce que c'est pas même ou même ça qui était allé sous la pile les cyclones matou fin passé à parmi un paquet de l'autre parlementaire gros âme fan de foi dans mon série de nec derrière nous pour nous prendre de force en série de bois des pacates planches qui décide pour aller distribuer l'autre bois n'égal prendre de force pour aller mon paio. On dit depuis attention. Archivio là. Bon, vous comprenez. Depuis à des dit non pas me citer dans rien. Et puis sous tapé nos députés là sous Google par exemple matin, là tout dit au consacré mais. Par contre, vous comprenez. Donc oui, faut que bande yo parler, mais pendant n'a bande yo parler, faut que journaliste a qui capacité tout pour battre votre nèg yo, pour dire porter précision par me connaît, gagne des bagages, ou ca tout glisser ba nous et la République a tout connaît. Par contre, vous comprenez derrière tout ça. Quelqu'un qui prend plaisir dit c'est menti ULCC a bail que rapport ULCC a pas campé sur moi. Mais madame monsieur, on t'a dit ça très récemment. On pas gagner compétence ou bien formation nécessaire dans question préparer ou bien rédiger rapport. Mais bon grain bail qui intéressé dans rapport ULCC. Est-ce que ça yo dit yo c'est vérité? C'est ça qui intéressé dans le sens que si on dit c'est n'a 13 machines qui disparaissent. Est-ce que 13 machines ça ont disparaît vrai? Et les al garder effectivement 13 machines ça ont pas là. Qu'on y aller aller dans OAVCT ou bien aller dans n'importe l'autre institution qui peut être capable de donner sur existence machine yo. Yo ouais, telle machine t'est affectée à tel sénateur. Mais si qu'on y a là, yo dit ou pas pour machine dans tourner après ou fin pas sénateur encore. Que machine n'était en panne? Que machine n'a pas en panne? Que machine n'était dans le garage? Que machine n'était dans la cour à caillou? Gros grande vérité, c'est que machine n'a été affectée dans le service ou l'a mouvré ou pas remettre lui. C'est ça la vérité. Même sous tes villes, l'homme ou tes radios dit bon, oui, m'de gon prado nan même, mais son prado qui était dans le garage depuis plusieurs mois là, etc. Donc, m'de informé que c'était à ça, yo pas m'vin prendre, that's it. Oh. Et l'état fonctionne comme ça même. Peut-être que si nous pas de bail nèg yo parler, nous pas jamais connaissé comme ça va là. Ah, institution fin bon machine n'a gon problème ou juste la de l'autre côté soit vraiment dans l'autre ou bien tout ça va gado. Alors que c'est l'argent l'état, l'argent contribuable, l'argent citoyen yo. On peuple qui dans misère malgré tout qu'a payer taxes, pas acheter machine bail vagabond lagué, soit dans parking privé yo ou bien dans garage zanmi yo. Par contre, mm-hmm. Mais quelque part, tout faut que nous déparlons avec ça et tout, qui indexe dans le rapport. Peut-être que tu as montré nous, dans quel niveau Sénat corporatisé, comme une institution tant que Sénat de la République, là, pas qu'à gagner propre garage. Bon, pas parler de Sénat, on parle de Parlement comme institution. Pas qu'à gagner propre garage, propre côté qui est pas automobile, pour qu'on ait si machine qui a tel problème, yo doué vin mettre là, si yo pas qu'à mettre là tout, doué gagner des logistiques en place qui pourra le prendre. Côté lié à etc. pour mener dans le garage, c'est là. Ça prouve tout à quel point, oui, parlement concourant. Négatif, vous avez mis un prado au débat, mais son vieux prado qui ceci, son vieux prado qui était là, je l'ai largué dans tel garage, je l'ai annoncé que c'était ça, c'est fini. Mais ça, c'est une blague. Si nous avons fait pays, que nous avons fait pays, même j'ai tout, si son chambre garçon n'a fait, que nous avons fait chambre garçon. Et attention, l'homme dit chambre garçon, pas chambre garçon qui propre, non, chambre garçon sanguin. Pays pas fonctionner comme ça. La pièce côté sous la terre bénie.
mais faut que nous te banne yo parler tout pour nous comprendre ça oui pendant nèg y a défendre yo mais toi avili l'état ou bien pendant nèg yo a chercher défendre yo toi avili l'état donc faut quand même te gen réaction ça yo pour nous te comprendre à qui modèle d'hommes et de femmes d'état nous t'en a fait à qui modèle sangouin qui modèle mal pour honte nous te gen bas pendant dernière législature ça yo donc faut que bagaille ça te dit faut que nous te recevoir monsieur faut que nous te parler avec yo. On prend réaction ancien député Alfredo Junior Nol qui citait moi ouais ancien DPA fait DG à un reproche n'a parlé de DG ULCC mais avant tout guerrier tout là authentique ou bien ça qui écrit sur X là authentique et puis là vérifier pour moi non pas passer pas vers trop fort on va dire dans ça pour me garder pour moi X X ba la rue les connia garder pour moi yo voyez vite je veux en attendant que guerrier vérifier pour nous yo voyez tout là bon moi ou bien vous voyez ça l'écrit sur X là bon bah on est là sur X mais comment vous voyez l'autre temps elle était sur Twitter elle était le tweet bah vous comment vous voyez le tweet t'as qu'elle est toujours été vous sous page vous sous page ancien DPA là et regardez mon regardez là en attendant que les élus oui à vérifier pour nous vous voyez au screenshot tweet ancien DPA oui well, moi côté DPA reprocher directeur général ULCCA comme quoi il était con en mer de living dans bureau pour capable faire des interventions pour lui auprès du président Jovenel Moïse ou bien auprès de l'ancien président Jovenel Moïse etc. Gen deux bagailles nous devons comprendre sous réaction ancien député Alfredo Antoine Junior et si moi même moi t'étais proche de DPA ou bien moi t'étais ami de DPA ou bien moi t'étais dans la communication de DPA m'a pas conseiller prendre ça. Mais comme il prend, depuis à grand monde, les gens bien la rue Boucol, il vacciné, il a assumé ça le dit, il a assumé ça le fait. Et il y a deux bagailles nous devons retenir. Pour eux, là, c'est que depuis a tout confirmé pour nous, effectivement, députés et sénateurs ont un rôle joué dans permettre une série de monde qui vivait dans le plus haut niveau de l'État, soit dans le système de justice là, ou bien dans le gouvernement, etc. Elle pouvait pas nous répondre. Il y a longtemps, on a privé des bas là que députés et sénateurs qui ont nommé les gens, qui ont recommandé les gens pour mettre nos séries de direction générale. Hein? Il y a des confirmations déjà. Bon, il y a un petit doute quand même. Bon, encore une fois, DP Alfredo Antoine Junior vient dire nous effectivement, ça c'est vrai. Mais deuxième bagaille, pour moi-même, son un chèque en blanc que l'ancien député Alfredo by DGULCCA. Au contraire, son point positif, oui, que le permet DGULCC à marquer sans parler de compte. Parce que si tout nèg qui t'a recommandé, je parle de parlementaire ou surtout, moun non série de job dans le pays, et que là, moun est arrivé, il a une capacité pour prendre même des décisions qui n'ont pas fait moun qui t'a recommandé la plaisir, ou bien qui t'a dérangé moun qui commande là. Donc c'est la preuve que les gens qui ont couru toujours. Parce que pile nèg qui pensait que parce que t'a fait tel bagaille pour un certain moment ou obligé supporter même dans sac pas ça. On t'a bien content gon sénateur, gon député qui t'ai recommandé au commissaire gouvernement pour nommer dans telle juridiction. On t'a bien content gon juge, on sénateur, on député t'ai aidé nommer. On t'a bien content ces juges, ces commissaires gouvernement, ça carité sénateur. Depuis c'est pas abus là fait. Ah mon chef, on t'a bien content. Ouais si c'est pour ça. Nous mettons continuer à recommander les gens, continuer à faire intervention pour nous avoir un job. On va essayer de faire sérieux. Parce que nous pensons que, alors moi, prends ça, ancien député a dit pour vrai. Comme quoi que DGA te kon checker pour capable faire des interventions pour lui, pour écouter l'ancien président Jovenel Moïse. Bien que moi-même, j'ai l'autre son cloche qui vient de moi. Qui dit si DGA, quand on a ULCC, je dis, il y a un homme qui peut être facilité nomination, il y a l'ancien ministre de justice Jovenel, comme il y a encore Rockefeller Vincent. Qui est même ancien DG ULCC et m'kwè en c'était chef cabinet, monsieur. Bref, ça c'est l'autre débat. Mais m'a juste analysé
tweet ancien DP Alfredo Junior Antoine. Donc si c'est vrai que DJ a été consulté monsieur et que monsieur t'a fait des interventions pour DJ à bon côté Jovenel Moïse pour venir DG, donc son très bonne note pour DG Hans qui je dis a gain courage malgré DP Alfredo ta et Delvin DG et je dis a pour le mettre ou bien pour l'épingler s'il vous plaît ancien DP a non rapport de corruption malgré ou te connais pas le côté moi mais ça et ça sont exemplaires parce que il y en a qui pensent guerrier Dieu seul si à un certain moment de la durée il fait tel bagaille positif pour vous, donc demain matin même les la craser la briser ou doit fermer bouche ou avez ou doit faire solidarité à même dans le mal on comprend ça bam tout vont fenêtre pour nous guerrier bon citoyen là qui a parlé là pour l'édition campagne de dénigrement pour qui ça parce que citoyen ça 21 je crois bon militant parce que monsieur t'avait le candidat au Sénat bon militant qui fait des marches auprès d'un comité organisateur au championnat qui a plus que 10 ans qu'a fait Gonaïve. Et puis militant dit l'a fait comité a joindre 200 000 gouttes dans mes citoyens ça. Comité a bien content mais en général comité a comment fonctionner m'a bien pour venir sous ça son fenêtre. Les on monde fait le joindre sponsor, les tout fait fort bénéficier. Là dedans par exemple un pourcentage si c'est guerrier qui vient à sponsor a guerrier un pourcentage là dedans. Juste pour encourager monde faire des matchs pour nous. Pas vous comprenez. Eh bien nous pas mande causer ti monsieur. Nèg qui fait des matchs là pour sponsor arriver là. Président comité à Gomba déjà monsieur qui est en bois pour 2000 dollars crédit. Sous base que il y a bail 200 000 gouttes. Monsieur qui est en bois pour 2000 dollars crédit 10 000 gouttes. Et là comme la vie encore faut bail monsieur pourcentage bail là qui équivaut à 10 000 gouttes encore. Devinez combien cob sponsor a bail. Sponsor a bail 50 000 gouttes. Un championnat qui coûtait plus de 1 million de gouttes et qui des sponsors qui ont intervenu à hauteur de 150 000 gouttes, 250 000 gouttes. Ça veut dire l'aurait tiré 10 000 gouttes crédit militant Boya. L'aurait tiré 10 000 gouttes Balia. Donc il était environ malgré ça comme communauté va gagner même gens, les a remercier tout. Nous remercier, il va dire combien le bail. Yo ba le certificat de remerciement etc. Ou même gens yo invité moun nan final pour représentant yo. Eh bien nous pas bon menti parce que nous te prend décision pour nous dénoncer citoyen ça dans cité dans mauvaise affaire. Y a cherché une façon qu'on y a là pour yo venir avec des bagailles pour comprendre qui gen rapport avec ça vous dire pour nous pas citer dans nous matin nous pas ba lumière ça n'a pas tant que yo venir. Vous comprenez que yo te kon supporter championnat nous et qu'on fait ceci c'est dans poche dans poche nous on aller je dis à pour nous dire on a mauvaise affaire et ça veut dire ça même si négater supporter championnat a dit good dans moment dans l'autre que c'est dans mauvaise affaire donc je dis à nous c'était dans mauvaise affaire parce que le supporter on pas le droit j'aime parler de ça c'est bon monde ça veut dire il t'a voué un bon bagage on est cap supporter social puisque son bail qui fait en plein air, son bail qui fait à but lucratif, c'est si mon 17 ans à préparer, qu'a bataille contre n'a bataille contre les 15 juvéniles etc. Et quand lui fier pour participer dans ça au lieu non cité dans gang. Au contraire. Plutôt c'est chaque jour t'a bail comme dans bail ça. Au lieu non t'a cité dans monde t'a financer gang. Il voulait capitaliser sur ça pour initier en campagne. Et bien guerrier m'a dit ça matin. Tu mets c'est papa qui levé qui grandit. Tu mets c'est papa qui investit dans l'éducation, qui fait de moi ça mieux. Demain matin, au bas, on en volait. Malheureusement, pour papa, m'a dit ça. M'a dénoncé et m'a désolidarisé, madame. Une claire sur ça. Papa, moi, je dis, m'a besoin qu'on ait Jacques, pour Joseph. Guerrier Dieu seul, tout le temps, fait bon bagay, respect. Mais l'on a mauvais bagay là, tout surtout si m'a dépalé ou bien tout ce qui est possible de vous éviter. Moi, je suis vraiment désolé, m'a pris distance, moi. C'est normal. Et ça, c'est ton parenthèse. C'est juste pour me deviner sous Bayer Fridoua. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est une bonne chose pour le directeur général de l'ULCC que un ancien parlementaire t'a recommandé ou bien l'État intervenu pour côté un ancien parlementaire
pour te permettre que le DG, Jodi Alvin DG, il y a courage de nous ancien parlementaire ça, non rapport de corruption. Pour moi même son bon bagage. Moi ouais, il y a des monde qui tape essayer garder qui j'ai capable provoquer révocation Hans Jacques Louis Joseph à la tête de l'ULCC. A mis information et c'est pas Jodi non. Même là rapport que sorti avant yo. Il y a des rapports pas trop fait pouvoir plaisir. Il y a des gens dans le pouvoir qui disent monsieur, ça va révoquer lui. Il commence à déranger le pouvoir. Avant dernier groupe et catégorie rapport des outils. Stock rapport des outils avant ça que sorti l'autre jour là. Ça que tu as fait à la de la guerre. OK. Il y a des gens dans le pouvoir qui sont fâchés contre monsieur. Qui disent monsieur, viens mettre le pouvoir en difficulté, il faut que vous révoquiez monsieur. Où est comment nous gérer cette corruption? Tout dépend de qui est-ce qui est au pouvoir. Tout dépend de qui est-ce qui est épinglé. C'est l'unique monde qui est condamné dans le cadre rapport ULCC. C'est parce que ce n'est pas l'équipe qui est sous pouvoir. Si c'était l'équipe qui est sous pouvoir, vous n'avez pas condamné, monsieur, non? Comment est-ce que vous avez encore? Léandre. Je suppose ça? On cherche pour vous. Même si vous dites comme ça, il y a deux rapports qui sont faits sur ONA, qui sont dans le rapport ça. Pour voir intéresser avec pour voir que tu as demandé le bail. Il va former tout. Il y a des gens qui pas. Si moi, je vais vous tacler à la pose. Suivez mon regard. Par contre, si vous voulez, je dis pouvoir. Il y a deux rapports, 11 rapports, pour voir ça très intéressé avec vous. Et deux rapports, ça va concerner ONA. Pour voir vous de l'aller. Moi, je vais vous donner comme ça pour ne pas utiliser rapport pour dire que c'est politique, etc. Même dans un mais n'importe nègre, vous citez dans vos n'importe nègre. Yo barré dans volé, traîner la justice Maril, concrave, s'il coupable, s'il innocent tout, dit ça pour la République qu'on est. Oui. Tout ça c'est parce que la justice pas fait travailler, la justice pas indépendant. Sinon la justice a dû trancher, aller sur tout rapport, tout le monde. Exactement. C'est pas pour voir quoi vous voyez, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire. Parlant de bon, la justice. Regardez, n'importe qui me dit ça tout. Regardez juste, il va foutre les pour dire ça. Bien sûr. Mais m'a tout dit n'importe ça hein. M'a dit son bagarre là qui grave, c'est moi qui assume. Je pas assumé. Ensuite, Louis dit papa, je suis un gros blanc derrière lui. Ah oui, dit, il a dit, sous question Roumel Bella. Ils ont presque repris la même conclusion de l'ULCC. Gardez-vous. Il y a sous question Roumel Bella en particulier. Gardez-vous. Ils ont presque repris les conclusions sous base. Yeah. Donc c'est la preuve que ils ont fixé sur l'ULCC. Mais attention, on est qui dit yo car monsieur, j'ai un gros blanc derrière monsieur. Merci, non, papa, mais. Aïe, moi, je dis, j'ai un gros blanc d'air. Donc, mon gars, parler, c'est pas parler pour nous parler, vous comprenez? C'est, j'aime te dire dernièrement, encourager la justice. Encourager la justice, permettre que le dossier aille à la justice au plus vite et laisse à la République pour qu'on est si nous innocents, la République pour qu'on est si nous coupables. Et maintenant, je réitéré un appel que je fait semaine dernière par le commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement yo, dans toute juridiction qui déjà joué un rapport ULCC yo. Fait diligence, voyez à joindre doyen pour doyen capable de distribuer le dossier au plus vite. Je suis surpris, monsieur, qu'on quantité de dossiers ULCC dans le déjà, il va me faire rien avec eux. Donc, on ne va pas mes dossiers du juge à moi. T'as les papas pour yon pas vle fouillon dossier dans Tiwa. Pour y ouvrir tout fond dossier, puis y aussi bah monsieur Subri, bah il va pas. Bah j'étais surpris en attendant qu'on fait diligence pour rendre ordonnance sur ce dossier que nan mon yo. M'bata rien mes dossiers ou album, même c'est pas mon gain pouvoir. Bon, on va me connaître, on doit faire choix de monsieur parce que monsieur a une capacité pour les tout fond dossier. On va me connaître. En tout cas, M. Bernard Saint-Ville, qu'on nous sonne qui très consistant non, etc. En pile monde respecto, on comprend pour capacité, y a pas gain. D'autres sous compétences, maintenant pour souple, distribuer dossier nèg qui gen nan cité nan volé nan rapport ULCC bay des juges qui sous travail qui capable permettre dossier avancer
pour la République connaît une fois pour toutes qui est ce qui bon volet, qui vrai volet en dans pays. Avant nous rentrer dans le rapport de matin qui c'est rapport ONA, guerrier Jésus seul, m'a fait une blague. Bon, nous avons vous sérieux tout, mais moi je dis une blague. Je pense que sanctions Canada, sanctions États-Unis, qui ont été passées par ULCC. Parce qu'on est ULCC lui-même, il a gagné pouvoir direct pour tout voir dossier à la justice. C'est une dit sanctions Canada, ce n'est pas moral, ce n'est pas des sanctions judiciaires, etc. Vous comprenez? Donc, plutôt les États-Unis et le Canada a filé quelques données par ULCC. ULCC même déclaré pour fondre par eux et puis tout transmettre dossier à la justice. On va me connaître. Et puis, on va aller tout moi-même. Je suis dans le rapport international, dans la sanction internationale. Je suis bien aimé pour l'équipe ULCC à réfléchir sur le mécanisme. De vous sous sanction internationale, vous tout gérer les contours, vous tout bloquer le conseil de bagaille. Qui vient faire le conseil de largesse, vous pas faire le conseil de pouvoir, vous encore. Puis vous pas encore. On va faire des transactions. Nous avons aimé, il y a des mécanismes qui mettent en place dans l'ULCC pour mettre tout faire ça. Les bons nègres nous ont cité dans le volet, ils ont demandé pour mettre action publique en mouvement contre tout. Nous avons aimé tout. En attendant, ne serait-ce que provisoirement, ils ont mis scellé sous bien, ils ont gelé contre etc. Et puis les dossiers à la justice fin tranché, si ou blanc ou la neige, ils ont mis tout bien, ils ont mis tout à fort, mais si ou coupable, yo tout kembe yo prend yo la République. Oui. Faire retourner jeune société à devoir ou te faire mal. Bon, c'est comprendre. Oui. On a bien content. Peut-être là, il va demander pour son parlement qui. On va connaître la loi. Mais équipe ULC, c'est à passer sous ça, attendez. On va connaître la loi. On va avoir l'alpha. Ok. J'aime dit nous, semaine ça, on va camper à quel rapport, guerrier. Maintenant, nous allons parler de rapport qui sorti sous ONA. Il y a deux rapports qui sorti sous ONA. Géon qui concerne un kay yo fait on a acheté et kay ça jusqu'à présent on n'a pas jamais pris possession et mettre kay la continue à jouer kay là pourtant tout l'argent débloqué décaissé selon ULCC. Bon l'autre dossier tout c'est concernant machine nèg yo fait on a appelé notamment pendant dernière administration ça qui t'ai gagné Jemlé Marc Jean-Baptiste comme directeur général pour ONA. Premier rapport qui c'est rapport concernant acquisition propriété ça par ONA. D'abord guerrier information est disponible que ONA acheté une propriété dans Pétionville. Mais t'as gagné des soupçons de corruption guerrier autour de acquisition ça. Alors là bay moun yo matin hein, précision ça yo. Kay ça n'a parlé là tout terrain ça li nan Rue Lamar li nan Pétionville. Selon ULCC ONA acheté pour 86 384 053 goudes 93 centimes. Son kay qui bâti sous un terrain qui est superficie ça 1067 mètres carrés. Eh bien, après soupçon corruption, yo, ULCC constitué équipe enquêteur, il a décidé de dire regardez qui bien fondé acquisition ça. Est-ce que l'illégal dans qui sens la utile ONA qui ça on a bénéficié d'une telle acquisition et du coup l'agence a décaissé pour acheter ça. ULCC des objectifs suivre traçabilité le souvle et puis garder est-ce que achat ça acquisition ça l'était faite selon les normes guerrier du seul et comment on arrive à acheter ça guerrier du seul et me la République prend plume pour un cahier, n'a pas noté des bagailles importants matin. Gagne ancien député Alfredo Junior Antoine, ou bien Alfredo Antoine Junior, comme vous voulez. Le 4 novembre 2021, madame, monsieur, qui fait on a une offre de vente. ULCC qui a parlé, c'est pas moins. ULCC dit, ancien député Antoine Alfredo, vient dire, on attend de nous. On va vous vendre, ça n'a fait nous intéresser. Directeur général ONA à l'époque là n'a parlé de Jemlé Marc Jean-Baptiste. Monsieur a écrit CNMP qui c'est Commission nationale des marchés publics. Pour le dire CNMP, il a besoin d'un avis motivé pour capable permettre que le fait transaction ça pour l'ONA.
CNMP écrit directeur général là en correspondance responsive pour non seulement dire lui décliner demande là et lui rappeler que le pas dans compétence dit et puis lui conseiller directeur général là écrit direction générale des impôts de préférence ou bien en étude notariale ou bien l'écrit tous les deux à la fois ou bien le contacter tous les deux à la fois. Attendez bien, oui. CNMP conseiller directeur général on a joué dans DGI ensemble avec une étude notariale ou bien joué avec Yon ou sinon l'autre. Mac Jemle selon ULCC gon marché pressé que prend monsieur Pakatan monsieur Gale pas suivre conseil CNMPO monsieur rapide vite mandé direction portefeuille on a attendez non al évaluer propriété ça pour nous pour suivre administratif capable faire bien rapide. S'entendre à la guerrier du seul directeur général là ULCC qui a parlé gétant informé direction des affaires juridiques monsieur dit attendez non monsieur moi décidé pour m'autoriser une transaction là hein. La ULCC lui-même a analysé document qui vient joindre lui guerrier du seul dans quatre transactions ça qui ça yo rend yo compte guerrier yo rend yo compte que suivi administratif que Jemle a parlé à yo te gen fait bien avant offre de vente là qui fait le 4 novembre 2021. Elle est pas là. Direction portefeuille on a pour aller évaluer propriétaire pour capable faire suivi administratif. Dit mais décision pour le prendre pour l'autre. Annuel session là va analyser yo suivi administratif monsieur mandé pour te faire après yo fin et faire évaluation suivi yo te gen fait bien avant offre de vente là et n'a pas offre de vente là fait le 4 novembre 2021. Oh ULCC prend comme exemple service de génie de l'ONA présenté rapport évaluation guerrier rapport daté 28 octobre 2021. Donc ça veut dire suivi administratif yo fait avant même offre de vote là et c'est l'inverse de douyer c'est les offre de vote là définie fait et puis qu'on y a là ou t'apprend fait suivi administratif yo. Okay. Et bien d'après le document qui joigne ULCC yo n'est-ce que tu as fait suivi administratif, même avant, Alfredo Antoine vient faire offre de vente, pour dire, mais ça vient pour le vendre. Donc, ULCC conclut pour dire qui ça. Il conclut que son bail qui était arrangé, qui était conclu, bien avant, donc, question Alfredo vient faire offre de vente, vient dire, on a mis le bon caillou, le bon terrain pour le vendre. Son arrangement lié, c'est entendre, nous entendre, c'est ULCC qui a parlé. Ce n'est pas moi qui a parlé, ULCC, madame, monsieur. ULCC rapporté. Monsieur Jemle Marc Jean-Baptiste, ancien directeur général ONA. Monsieur écrit gouverneur Banque Centrale à l'époque là, Jean-Baptiste Dubois. Côté le voyait en auto pour transférer 86 383 053 gouttes 93 centimes sous compte étude notariale Daniel G. Depeigne le 27 décembre 2021, madame, monsieur. Effectivement, guerrier du seul, BRH transféré l'argent ça sous compte notaire là, sous un compte bancaire dans Capital Bank, madame, monsieur. Eh bien, guerrier du seul, le ULCC ou bien les agents ULCC ont décidé minutieusement analyser documents qui viennent de nous. Yo identifié un paquet de transactions douteuses qui fait sur ensemble de comptes en banque dans le pays d'Haïti. Attendez bien, madame, monsieur. Et transactions ça yo, c'est des transactions qui fait à un rythme accéléré. C'est pas qui fait bien rapide, non badge là. On fasse pour on pas gagner contrôle, c'est vous. Retirez l'argent ça mettez dans sous compte ça, retirez l'argent sous compte ça, transférez le sous compte ça, faire virement sous compte ça. C'est ULCC qui a parlé. Ça veut dire il y a bad pour pas attirer attention sur transaction qu'a fait yo blanc ta capable de ça en français dissimuler leurs fonds hein dissimuler les fonds déposés et puis elle s'est relé ça blanchiment du produit du crime. ULCC
la poursuivre pour dire grand ensemble de monde qui très influent qui impliqué dans ça qui utilisait guerrier Dieu seul des stratagèmes guerrier pour capable faire l'argent pour capable blanchir l'argent non temps record guerrier sorti 30 décembre 2021 madame monsieur pour arriver 10 janvier 2022 l'agent ça qui était sous compte notaire monsieur Daniel G. Depeigne gain 96% là-dedans qui allait sous compte en banque 4 entreprises 96% dans l'agent ça que BRH était transféré sous compte notaire Daniel G. Depeigne pour acheter Kaisa, eh bien en décembre et janvier 30 décembre bien entendu 10 janvier avait dit moins de 2 semaines 96% dans l'agence a été allé sous 4 comptes en banque 4 entreprises on garde qui est entreprise ça première entreprise a relé Archi Imo représentant légal li madame monsieur c'est ancien député Alfredo Antoine Junior gain 35,382,585 goud qui a joint entreprise ça deuxième ou bien si c'est en français mais n'a regardé c'est Ideal Estate Innovation c'est Peterson juste qui représente légal il y a 15 millions goud qui allait sous compte entreprise ça gagnent Ideal tout simplement sans rien d'elle ou bien idéal si m'galile en français c'est Peterson juste qui s'est représentant Stéphanie Modestin. Je voulais noter ça. Qui est-ce qui, Madame Stéphanie Modestin, dans l'époque là, lycée ancienne directrice générale adjointe ONA. Qu'on y a l'ancienne, mais dans le moment où on a parlé de transaction, ça était encore directrice générale adjointe. Il y a 15 218 000 goudes qui allaient sous compte entreprise ça que Madame dans lui-même lycée copropriétaire ensemble avec Peterson Juste. ULCC qui a parlé, c'est pas Johnny Ferdinand qui a parlé. Il y a une quatrième entreprise qui est le AEC, fourniture de bureaux et matériel informatique. On va aller quand il a mes amis. Ça on va un bureau, une fenêtre, quand il a acheté. Ça veut dire? Gagné 18 140 750 gouttes 23 centimes qui est allé sous compte entreprise. Je vais me faire un petit peu pour me babouiller, mon guerrier, et au même pour me rafraîchir mes mots. Moi, je vous consacre Jemle Jean-Baptiste, directeur général ONA d'alors. Li voyons autorisation by BRH pour transférer 86,383,053 gouttes 93 centimes sous compte en notaire qui est Daniel G. Depeigne. Eh bien, entre 30 décembre 2021 et 10 janvier 2022, moins de 2 semaines guerrier, il y a plusieurs transactions records qui fait guerrier. Qui ça, ULCC dit le constater, dans l'espace de temps, il y a 96% dans l'argent qui a rejoint 4 entreprises différentes. Première entreprise a relé Archi Imo, représentant légal lycée Alfredo Antoine Junior. Il y a 35,382,585 goud qui a rejoint. Deuxième entreprise a relé Ideal Estate Innovation. C'est Peterson Juste qui se représente légal lycée, il y a 15 millions de goud qui a rejoint. Troisième entreprise a relé Ideal ou bien Ideal, Jean Khalil, il y a Peterson Juste. Avec madame Stéphanie Modestin, yo c'est copropriétaire entreprise là et gain 15 218 000 goud qui a joint yo. Et quatrième entreprise là, c'est AIC fourniture de bureaux, c'est Christelle Lérisson qui se représente légal li, gain 18 140 758 goud 23 centimes qui a joint ni guerrier. Donc ah, c'est l'argent qu'elle a pas passé à pouvoir comprendre pour ça. L'argent qu'elle a cap dispatché comme ça. Qui ça? Qui ça ULCC dit? ULCC dit avec stratagème ça, il est question de manipuler les fonds pour capable détourner attention sur vrai bénéficiaire l'argent. Yo bouyo, l'opposé c'est un tel, l'opposé c'est un tel, c'est pas vrai. Pourtant, l'argent ça va le venir seul monde, puis devant va le comprendre ça. Okay. Son stratagème pour capable détourner attention sur l'ULCC, yo manipuler les fonds yo pour même pas voir qui est ce qui vrai bénéficiaire là et pour qui ça. Par exemple, première question me poser, une transaction qui a fait. Comment une entreprise qui n'a question fournit matériel bureau faire pousser l'argent à qui dit oui, acheter bureau non mais hein pour acheter bureau
bon, ça qui arrive. Mais c'est on a, bon, mais c'est alors. On a, non, mais comme ça, c'est sous compte notaire là, le sorti. Qui a le sous compte l'autre compte ça, yo. Je vais vous faire un peu de temps. Il a ça se dit son cas qui grave en pile parce que comme directrice adjoint ou pas ca n'a permettre que l'argent a accumulé sous vle sous propre entreprise ou. Par exemple yo joine madame là li c'est copropriétaire entreprise qui relé Aidil là qui recevoir 15 218 000 gouttes qui sorti sous compte notaire là comme virement. Et ben il a ça se dit madame n'a gagné l'argent qui a accumulé jusqu'à 30 381 967 000 gouttes. Toujours dans 86 384 053 93 centimes que on a été décaissé pour Kaila. Pour qui ça? Ideal Innovation Estate. Eh bien, ULC s'est dit son stratégie pour capable bouiller piste sous origine fond yo. L'argent transféré, son façon pour capable blanchir l'argent, ULCC qui a parlé. ULCC a souligné que Stéphanie Modeste, qui a double qualité, d'abord c'est directrice générale adjointe ONA, mais tout le représentant légal entreprise qui joue l'argent. Donc, qui ça ULCC conclut? Il conclut que madame Modeste a un intérêt direct dans opération qui fait yo, la transaction qui fait yo. Parce que ULCC dit qu'il pas comprendre. Stéphanie comme directeur général ou bien directeur général adjoint, on a quitté doué à surveiller qui gens ba yo passer dans dans boîte là, quitté doué à surveiller intérêt on a. Et bien c'est Stéphanie ça qui utilisait propre entreprise li n'a cité pour dissimuler des fonds ou bien tout pour dissimuler produits qui dérivaient de criminels ou bien de sanapalia. Donc pour ULCC, il y a une fraction qui est la prise illégale d'intérêt et une deuxième qui est le blanchiment de produits criminels que l'article 5.13, 5.3, loi 12 mars 2014 qui vient pour avec corruption, hein, li prévoit et puis puni. Dans ce qui concerne traçabilité fonds qui décaissent. Eh bien, ULCC dit, commission a révélé, Alfredo Antoine Junior, li mette tête li avec madame Stéphanie et sus de dissimulation pour du crime. Avait dit, ULCC, monsieur dame l'a arrangé eux-mêmes pour font façon, pour créer diversion dans gens comme a débloqué, dans gens a transféré, dans gens vivement a fait. Pour qu'à tromper vigilance monde, mais en réalité, c'est blanchiment qu'a fait. D'ailleurs, ULCC tire conclusion ça. Son stratagème entre deux monsieur Damio, député Alfredo avec madame Nan, pour capable camoufler, m'a cité, lien que vous gagnez, avait dit pour vous monter une ou pas contre l'autre vrai. Comme c'est deux mondes différents, pourtant c'est deux mondes qui entendent yo pour des actions en fait. Donc son stratagème est utilisé pour montrer que yo pas rien de connexion, yo ne pas contre l'autre, et pourtant c'est entendent yo. Pour montrer que les transactions que faites pas engagé nous. Et pourtant, il y a des transactions importantes que M. Damio fait indirect ou indirect ou directement dans quatre dossiers. Il y a ce qui se dit, il a analysé les transactions guerrières du seul. Comprenez bien, oui. Il a analysé les transactions. Il y a une série d'entreprises écrans et qui ont même été montées pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin de blanchir l'argent. ULCC dit, Alfredo, intelligent que lié, Alfredo, député Alfredo, il pas recevoir l'argent sous compte personnel. Il préférait partager l'argent à plusieurs entreprises, parmi eux, yon qui pour Stéphanie Modestin, directrice générale
adjoint Ona à l'époque là. Le 14 janvier, madame, monsieur, ULCC qui a parlé, Alfredo font dépôt surprenant, un dépôt cash de 15 163 965 gouttes qui a joint Ideal Estate Innovation, dont madame Stéphanie, c'est copropriétaire. Agent ULCC au guerrier, du seul. Ouais, transaction ça fait un jour après, il y a 15 millions de gouttes qui sortit sous compte AS fourniture de bureau et de matériel informatique. Attendez bien, oui, guerrier. Qui te recevoir 18 millions de gouttes et quelques dans l'argent de la notaire. Et bien, on joue que 11 jours après Alfredo fin recevoir 15 millions de gouttes de AS fourniture de matériel ou bien de bureau. Yo joine que guerrier, li prend 15 millions goud ça li transférer sous entreprise qui pour madame qui était directrice générale adjoint Ona guerrier de seul. Et elle se sera poursuivre pour dire. Les Alfredo décide agir comme ça, li fait tête li passer comme co-auteur ça relé blanchiment produit crime que article 5.3 loi 12 mars 2014 li même li puni li prévoit. Pour Peterson juste lui même guerrier. ULCC dit citoyen ça, c'est lui même qui aide Stéphanie dissimuler produit corruption yo. Pour qui ça? Tout l'argent qui est pour avec Ideal Estate Innovation nan, c'est Peterson juste ça qui fait transaction en façon pour ka protéger madame nan. Avait dit pour moun pa wè niveau bien degré implication madame Stéphanie. Pour moun pa wè participation dans mouvement retirer fonds ou mettre fonds k'ap fait sous compte entreprise ça que lui même il est signataire. Pas oublier entreprise a gagné environ 3 comptes. Il gagne un dans Société Banque, il gagne 2 dans BNC, 1 dollar en goud et gagne 2 cocotte ça yo. C'est madame Stéphanie Modestin selon ULCC souvlé avec Peterson Just qui au même yo signé à 2 pour te faire demande là. Donc ça veut dire qui ça? Pour ULCC, Peterson ça les complice de blanchiment produit crime 5.3 par le deux article loi 12 mars lui même les prévoit et puis puni. Pour Jemlé, Marc Jean-Baptiste, madame, monsieur. ULCC dit, l'elle décide d'autoriser transaction ça, li violer loi 28 août 1967 là qui régit fonctionnement ONA. Elle dit pour acquisition bâtiment ça ou bien propriété ça, sous les guerriers, pas gain aucun crédit budgétaire qui existait. ULCC qui a parlé. Son désaffectation fonds qui était faite. Or, la loi exigeait un avis préalable du conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Ça n'est le chaos là. Le ministère de tutelle là, l'air que. Naona. Guerrier du seul. ULCC souligné. On a pas bien l'argent ou bien pas bien crédit soulevé pour te ordonner on dépense comme ça à savoir 86 millions gouttes et plus pour acheter un 40 terrain. Pour qui ça? Parce que yo dit déjà on a te gain pour te acheter terrain. Attention, 50 millions gouttes la va arriver tout exercice là. L'argent ça t'a pas réduit de moitié. Parce que tu viens de contrainte budgétaire ou bien tu viens de contrainte budgétaire. Mais ça, nous devons comprendre. C'est que 50 millions de gouttes qui sont disponibles pour acheter terrain pendant l'exercice, tu viens de moment où tu viens de réduire de moitié, si nous croyons ULCC, tu es passé de 50 millions à 25 millions. Et la raison que tu viens d'expliquer ça sur l'ULCC, c'est parce que tu viens de contraintes budgétaires. Malgré ONA, pas de l'argent pour t'acheter sur le terrain. Dans le niveau ça, on a dépensé 86 millions gouttes et plus pour acheter caille. Et l'agence a bail dans toute intégralité selon ULCC depuis 27 décembre 2021. Au contraire, malgré l'agent bail depuis 27 décembre 2021 selon ULCC, car la banane est non? ULCC dit le 7 juin 2023, il a mené un expert évaluateur qui a habilité à l'évaluer caille là. Il est où il veut guerrier? Il a joint il y a moun ki nan kala et moun ki nan kala dit c'est loué ou loué kala et moun y a payé bien moun yo loué kala dans men rele député Alfredo Antoine Junior. Ça nous comprend
C'est que son façon yo fait pour prendre comme là on a dit on a acheté une propriété pour capable mettre là-dedans une école de formation continue en Naona. Yo font façon yo dissimuler fonds, envoyer sur plusieurs entreprises et cetera, faire monter descendre, après ça vouer le maman encore, m'vouer le baron encore. On prend pas, m'a prend pas. En conclusion, c'est pas j'aime pour acheter qu'à vouer selon ULCC. La compréhension, c'était un cob nèg yo arrangé ou yo fait mais avec prétexte pour acheter qu'à là. Okay. Sinon, on dit que tu es fait en dehors de nom, en parlant de décaissement. Mais au moins, on a ta bénéficié quand là. Eh bien, selon ULCC, malgré tout 86 millions fin débloqué depuis ULCC décembre. ULCC dit 86 millions débloqué? Oui, c'est ça ULCC dit. Oui. Depuis 27 décembre 2021, quand là toujours pas en possession de ONA. Il dit qu'il y a un monde qui est là et c'est député Alfredo qui lié qui est en rapport avec ça. Ok. Mais ma bonne note là, tu es mort. Il y a le CCB à 10 ans, mais il y a le CCB à parler là. C'est pour information, Manoul. Il n'y a pas une autre à tes bouts. Il y a le CCB à parler, si il y a le CCB à 10 ans. Moi, vraiment, je vais mettre, je vais retirer. En conclusion, guerrier était seul. En conclusion, sur le plan administratif, il y a le CCB à dire qu'il faut dit sous gestion M. Djemle, Marc Jean-Baptiste, dans tête ONA. Parce que vous dites, M. ça, il va débrouiller, il va faire pendant le directeur général ONA pendant ce temps-là. Deuxième recommandation, ULCC fait sur le plan administratif, les mandés pour ONA rapide vite à prendre possession de Kala. Et m'a dit mon côté Kala, si vous voulez vous jeter un coup d'œil. Kala dans le numéro 34, Willamar, Pétionville. Maintenant, sur le plan pénal, ULCC recommandé pour mettre action publique en mouvement contre Mounzaïo. Jemle Marc Jean-Baptiste pour abus de fonction. Stéphanie Mondestin. Jemle Ali, même c'est ancien directeur général ONA. Stéphanie Modestin, c'est ancienne directrice générale adjointe pour prise illégale d'intérêt et puis blanchiment. Et puis troisième monde, il a demandé pour mettre action publique en mouvement contre lycée, ancien député Alfredo Antoine Junior, parce qu'il est co-auteur dans blanchiment. Et puis Peterson Doux est juste, il a demandé pour mettre action publique en mouvement contre monsieur, parce que monsieur complice blanchiment et monsieur gagne accusation. Association de malfaiteurs qui lui-même pesait sous de l'égalité seule. Pour finir avec ONA, très rapidement, mon deuxième rapport qui est aussi accablant que ça nous dit là sous ONA, c'est pour question louer machine guerrier du seul. Guerrier du seul, tu as gagné tous des soupçons de corruption autour de une série de machines. Jemle Jean-Baptiste, ensemble avec tout le monde qui a travaillé à côté de lui, dans plus haut niveau administration ONA, qui est loué pour le compte de l'ONA sorti juillet 2021 pour février 2023 à Guerrier du Seul. Et Guerrier du Seul, c'est causé n'a pas un temps. Guerrier du Seul, après soupçon ça, eh bien, ULCC, dans le cadre de méthodologie du travail, constitue une équipe d'enquête, souvelé, une équipe enquêteur, souvelé, pour aller enquêter, en façon pour capable informer sur ce qui a passé en ONA, notamment question. Location véhicule. Est-ce qu'il y a nécessité pour infirmer ça que dit ou bien pour confirmer l'aime de ça que dit on a parlé de faits de corruption ou de signaler. Eh bien, qui ça ULCC fait gagner? ULCC mandé copie contrat location machine pour on a mettre à la disposition ce que on a fait. Toute machine, j'aime les Marc Jean-Baptiste le pour institution et pièces justificatives, fonds inventaire parc automobile on a et puis budget et puis plan annuel passation de marché sous trois exercices différents. 2021, 21-22, et bien 22-23, guerrier de seul. Pour les bagailles, moi je voulais la République qu'on est, nous allons très rapide guerrier, pour nous finir à ONA, net, guerrier de seul. Je joigne que ONA, sous administration Jemle, Jean-Baptiste là, lui louer des machines, n'a mais conseil de compagnie, mais le joint tout, on a loué des machines dans main conseil de particulier. Qui ça, ULCC dit guerrier? ULCC dit, sorti 7 juin, pour arriver, sorti 7 juin 2021, pour arriver 10 février 2023, monsieur Jemle, Marc Jean-Baptiste, lui dépensé 61 294 823 goudes pour louer machines seulement. Pendant environ 20 mois.
Je vais reprendre pour guerrier tout seul. Sorti 7 juin 2021. Mm-hmm. 7 juin 2021. Pour arriver 10 février 2023. Monsieur Jemley, Marc Jean-Baptiste, directeur général Onadalor, dépensé 61 294 823 goud pour louer machine seulement. On n'a pas de machine. Et là, attendez, monsieur Guerrier, du seul selon ULCC, ancien directeur général AIA, eh bien, après que effectivement il reconnaît les contrats de location de véhicules qui existaient vrai, monsieur dit commission enquête là et pas automobile on n'a pas vraiment de machine, nos machines qui n'ont pas de qualité. Oh, nous même nous besoin et faire travail nous aller sur le terrain etc. Vous comprenez, nous sommes obligés de demander direction administrative là assurer suivi là pour louer certains véhicules qui capable de répondre aux besoins de l'institution. Il y a des choses, nous allons rapide, nous allons dans les détails. Qui ça, enquêteur ULCC aujourd'hui? Yo, ouais, que dans contrat de location de véhicules que on a conclu de juillet 2021 à février 2023, ça, yo pas respecté normes passation marché public. Il dit comme ça, sous exercice fiscal 2021-2022, entre octobre 2021 à septembre 2022, on a conclu des marchés pour environ, marché de location de véhicules, pour environ 40 millions 9400 goudes. Eh bien, on s'explique à ce ULCC, c'est rapide, nous allons voir dans les détails. Montant ça, il dépassait seuil intervention CNMPA qui fixait à 25 millions de goudes, si nous pouvons arrêter 25 mai 2012 qui est en vigueur jusqu'au 30 mai 2022. Nous ne pas entrer dans les détails trop, nous n'avons pas avancé. ULCC dit, les relevés absence soulevé approbation cours supérieur des comptes et du contentieux administratif dans le cadre de contrat que on a conclu en ensemble de entreprise de location de véhicules. Donc tout contrat soulevé que on a conclu avec entreprise de location guerrier, il y a pas joint approbation la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Manquement flagrant ça selon ULCC constituer une grave violation des dispositions de l'article 200-4 de la Constitution et celle des articles 131, 148 et 153 du décret du 17 mai 2005 qui vient pour l'organisation administration centrale de l'État. N'a pas les plus bien gagné. Gagné de seul, on a dit, par on a, ULCC dit, bon gros différence dans le niveau propriétaire certains véhicules, souvelé, que entreprises eux-mêmes y ont loué. On a, par exemple, on a des ULCC dit, machine, yo loué on a yo, gena yo, c'est pour des particuliers. Avez-y guerrier du seul, gen machine ni là autant de, on a observé avec et on a c'est loué loué. Gena yo tout, c'est pour des entreprises, mais attention entreprise ça yo c'est pas yo même qui fait contrat avec on a. Par contre tu comprends guerrier, bah moi prends pour, on a loué des machines pendant l'administration Jemley. Machine ça c'est pour des particuliers oui. Mm-hmm. Prenant machine yo tout. C'est pour des entreprises mais qui pas forcément des entreprises qui signent un contrat avec Ona. OK, OK. ULCC cap parler. C'est pas moi. Les al vérifier 4 enregistrements ak attestation assurance machine que on a loué yo, ça permet yo constater. Il y a un véhicule ça yo qui pas pour entreprise qui yon même mette en location. Ou compagnie ou bien pour un particulier, c'est ça me dit là. Comme exemple, gon Toyota Prado blindé immatriculé AA-22977. C'est compagnie Ebenezer Rentecar qui loué Onal. Pourtant, machine ça li enregistré sous nom Woody Trezil qui identifié au numéro d'identification fiscale 004-540-580-9 et puis gon Mazda BT50 qui immatriculé LO-00061 compagnie VP Amour et Services Rentecar loué mais les regarder sous qui nous li enregistré sous nom l'autre compagnie qui relé First Step Carintal. Donc pendant période ça pour véhicule ça yo monsieur Jemley Marc Jean-Baptiste décaissé 22 850 000 goudes, guerrier du seul. Et attention, machine on a loué, ce n'est pas tout qui gagne
plaque immatriculation location. Okay. Et c'est plaque privée. Guerrier dit seul. Mon dernier bagaille, mon vie ajoutée. Guerrier. Ça est important, guerrier, ça me va le dire. N'absorbe. Majorité, machine, on a loué, yo te pote souvle sous administration Jem Lea des plaques privées. Là, yo pose question sous véhicule sa yo qui gagne immatriculation privée, responsable entreprise concernée, yo bay des réponses, mais attention, selon enquêteur ULCCO, réponse yo pas convaincant. On avance. Président directeur général et j'ai dit tout véhicule location yo pas pour entreprise d'IA. Genan yo qui mettait à la disposition, c'est mettre machine yo qui balle machine yo pour louer pour mettre dans location. Et selon ça monsieur Pierre dit on a pas jam exiger pour véhicule yo même yo gen immatriculation location. Ça veut dire Gabriel font comme on a là, il mande gagner sur gen machine. Comme c'est lui même qui gagne contrat on a, mon a fait comme on a, il dit j'ai mis clé sur gen machine. Bonne machine ça. L'État, oui. Ok. Il n'a pas ça. Et puis, il dit, ok, mes machines. Je ne sais pas. Or, si l'État a fait un contrat, il faut que son entreprise qui est dans le secteur, qui a des machines qui répondent à l'exigence de faire, et puis qui est administrativement correct, bien organisé, et pour dire, mais qui modèle machine besoin, mais qui caractéristique. Et puis, contrat au passé selon les normes, etc. Et comme ça fait. Et bien, par contre, ça a été fait selon ULCC. Gagné du seul. ULCC la poursuivre pour dire. Ancien directeur général à IUNA, M. Jem Lea Jean-Baptiste, li qualifié exécution contrat sa yo. Souvle comme ça le relé en incurie administrative. Ça veut dire ça. C'était une négligence extrême. Avait dit selon ULCC, directeur général à IUNA admet effectivement série de contrat sa yo signé pour machine sa yo. C'est une négligence extrême. Et li retirer tête lui, li mettre responsabilité à sous directeur administratif là, à comptable public là, qui était chargé lui-même pour vérifier validité, régularité, pièce justificative yo, et tant qu'au cadre d'enregistrement véhicule yo, et patente fournisseur yo, avant même de liquider créance là. Bref. Et sous sujet ça, les opposés, directeur administratif la question, M. Pierre Moutlet Saint-Jacques, li déclaré pour attendre là que paiement qui gagne pour acteur ta pour doublende immatriculé A-229-77 là li était fait sous nom entreprise concernée qui c'est Ebenezer. En outre, on l'autre bord, li précisé on a négocié avec Ebenezer Rent-a-Car pour acheter véhicule ça qui lui même était pour Audi Trésil. Mais ça qui est important gars, il dit seul m'envie pour monde connaît. Dans ce qui concerne les mauvaises gestions des ressources financières de l'ONA, M. Jem Lea Jean-Baptiste, selon ULCC, fait une très mauvaise gestion de ça où on a été possédé comme ressources financières et matérielles par l'administration. Comme exemple, on a dit, on a des programmes car plein, on avait dit plan machine, etc., que on a été initié, dans lequel, si vous voulez, l'exécuteur général, M. Jem Lea Jean-Baptiste lui-même, il était décidé de bâtir une machine. Par exemple, en tant que directeur général à IUNA, M. Jean-Baptiste, tu es en charge pour assurer gestion et surveillance des ressources institutions. Dans le cadre de réactivation du programme CarPlanner, eh bien, qui sont dispositions administratives, tu te prends pour être capable de permettre que gagner des directeurs techniques ou de rayon des véhicules s'ouvrent, eh bien, que IUNA t'a prêt à le financer avec l'argent. Eh bien, le programme, ça, tu es visé pour gérer quelques problèmes ou bien pour résoudre quelques problèmes véhicules que l'institution t'a confronté dans l'époque-là. Eh bien, sous liste bénéficiaire, moun ki te doué ke machine sa yo ou joine Jem Lea Marc Jean-Baptiste. Et bien guerrier du seul, ULCC dit Jem Lea Marc Jean-Baptiste sa li bay tête li on Toyota Land Cruiser modèle 2021 qui gen la dan un blindage de niveau 6 B6 qui coûtait l'état haïtien au total $160,000 américains. Gaïga le va attendre. Oui, maman. Quand maman cherche non, machine c'est machine ou machine pour nous. Nous devons être machine comme nous n'avons pas de machine, c'est que tu n'as pas de machine. Et nous devons être avant de la rouler. Nous devons être dans le voisin. Puis LCC. Monsieur Jem Lea Jean-Baptiste pour un intérêt direct, alors que tout fonds ONA est sous contrôle et sous surveillance.
Donc c'est ça où est les prises illégales d'intérêt. Mm. Et puis en plus, et dans le préambule contrat, il précisait que direction générale ONA a adopté disposition ça pour bon fonctionnement institution hein, pendant la sauvegarde d'intérêt li, c'est un cas typique d'après ULCC conflit intérêt avec l'agent public là que monsieur Jean-Baptiste Lema à l'époque t'a géré et lui même t'est doué surveiller intérêt ONA. Et bien c'est lui même qu'on y a là qui prend l'argent ça. OK, institution pour acheter machine ça by tête li. Donc dans opération ça il était choisi pour protéger intérêt pal au dépend de intérêt institution hein, l'elle prend souvler intérêt de manière illégale et de seul. On va rentrer dans les détails comme leur avance à grand pas sous détournement bien public qui gagne en Daouna, sous abus des fonctions etc., sous un ensemble de l'autre gabegie administratif qui fait. Mais sauf que m'a conclu pour me dire sur le plan administratif et encore une fois ULCC m'a dit faut gagne audit sous gestion Jemley Marc Jean-Baptiste comme directeur général AI. Et c'est la Cour supérieure des comptes qui pour dégager le combat de Jacques pour faire ça. Parce que ça, Jim l'oublie, il n'a pas fait avec ONA. Et il s'est dit qu'il faut une évaluation économique et financière pour la machine ça qui était initiée ou bien qui était mise en place par la direction générale de ONA. Il s'est dit qu'il faut une révision contrat programme Carplen pour être capable de venir avec leur disposition, avec leur objectif, etc. Il s'est dit qu'il faut un transfert du programme Crédit 54 Autoa. Et. Il s'est dit qu'il faut qu'il y ait un versement de toute taxe qui prélevé et pour DGI dans le cadre du marché de location que Jemley lui-même était passé avec maison location et soit administration là. Il s'est demandé qu'il faut qu'il renforce la commission spécialisée de passation des marchés publics de l'ONA pour être capable de jouer comme ça doit. Et sur le plan pénal, il s'est dit, tant pour souplir la société, devant nous, il demandé pour la justice mettre action publique en mouvement contre le nommé Jemley Marc Jean-Baptiste. Identifié fiscalement au numéro 003-960-288-3, ancien directeur général à ONA, pour infraction SAIO, détournement de biens publics, abus de fonction, passation illégale de marché public, prise illégale d'intérêt. Et m'a conclu pour me dire la République, madame, monsieur, m'a conclu pour me dire la République. Ça nous est dit de ONA, ça, gagné, ça nous est dit de ONA, là, le parrain. Il y a quatre notes à propos de ceci là. Oh! Guerrier Dieu seul nous mettre noter ça nous. Sur de l'autre administration. Rapport. Qui a allé jusqu'à 2017 même, entre 2017 et 2021. Mm. Bon, c'est dommage, ancien directeur général qui est là mourir. Il n'y a pas de gargotte qui fait non. Il y en a qui prêtent dans l'argent qui fait qu'on connaît qui retire trace, oui. Il y en a qui prêtent la soie chercher pour te prêter pas non. Pas besoin. Il y a un rôle qui a un paquet de données pour t'en avoir. Je ne vais pas parler de la République. Qu'est-ce que vous avez là? Aïe, aïe, aïe. Pas petit trop. Vous devez accentuer sur le rapport ULCC. Mais c'est ça que j'ai annoncé nous. Maman petite Marie Vente, tôt ou tard, il y a de l'autre rapport qui peut concerner ONA qui a sorti. Et il y a de l'autre monde qui parle là, nous parle. Parce que c'est pas ça qui est administratif, c'est pas ça seulement qui est corruption de ONA. Je ne sais pas que l'autre bagaille. Donc, Marie Saint-Tine, c'est vrai, même parce qu'on joue bien la vie. Parce que je dis à quoi que. Il y a trois bagages qui font pays à Baka. Pas qu'à fond, pas guerrier. La misère, corruption, impunité. Impunité. Et j'en parle avec Alexis Tagazi, n'importe quel côté qui est Haïti, je dis, pour les bagages, nous sommes pays plus pauvres dans l'hémisphère. Deuxième bagage, nous sommes un pays qui est caractérisé, gouvernance caractérisé par la grande corruption, par la corruption à grande échelle. Troisième bagage, impunité à ces règles-là, nous avons justice, et puis sortant de là, pays, ça nous voulait là-dedans, et tourner l'enfer pour que nous voulions aller. Pendant ce temps, les bagages sont comme disposition, nous avons au moins fait de l'Union pays, même si tout le pays sur la TB.